La mairie de l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou sera gérée par un maire CDP malgré la victoire de l'UPC à l'issue des élections municipales. Le parti du Lion a animé un point de presse pour donner les raisons de cette situation. Explication donc tout à l'heure. Demain, 8 mars, sera célébrée la journée internationale de la femme. Manga, ville hôte de la commémoration officielle, fait peau neuve pour accueillir la manifestation. Et puis, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a visité ce matin à Dori les sites devant abriter les festivités du 11 décembre prochain. L'objectif est de s'assurer que tout sera mis en place pour la réussite de l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. On commence ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Blaise Compaoré a reçu cet après-midi les présidents et vice-présidents de parlement de 5 pays africains présents au Burkina Faso pour assister à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, la démocratie en Afrique, les médiations du président Compaoré et la prestation des étalons lors de la CAN passée sont entre autres les sujets qui ont été abordés. Le compte-rendu est de Sié Sylvestre Da. La délégation des parlementaires africains reçue par le président du Faso à sa résidence à Kossiam ce jeudi se compose des présidents des assemblées nationales du Gabon et du Bénin ainsi que des vice-présidents des parlements du Niger, du Togo et du Sénégal. Une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Nous sommes venus lui rendre une visite de courtoisie et lui apporter tout notre soutien de parlementaires africains face aux défis auxquels il a eu à faire face. Vous savez qu'il a été médiateur dans bon nombre de crises, dont la plus récente est celle du Mali. Nous avons aussi profité pour féliciter la prestation des étalons durant la dernière CAN en Afrique du Sud. Et c'est toujours pour nous aussi une occasion rêvée de pouvoir bénéficier de la grande expérience du président Blaise Compaoré pour qu'il nous donne quelques pistes, quelques conseils sur la nécessité pour les parlementaires que nous sommes d'être ensemble, de pouvoir contribuer aux côtés des exécutifs à l'édification de cette intégration tant rêvée par nos peuples. Ces parlementaires sont présents à Ouagadougou sur l'invitation de Sungalo Apollinaire Ouattara dans le cadre de la première session ordinaire de l'année du Parlement burkinabé. Une session ouverte ce mercredi 6 mars 2013. Les maires de certains arrondissements de la ville de Ouagadougou sont connus. C'est le haut commissaire de la province du Kadiogo qui a procédé à la mise en place des bureaux de séance qui ont organisé l'élection des maires. Reportage Yakuba Goro. Une urne, un isoloir et tout un dispositif de vote planté ici dans l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. L'heure est à la mise en place des bureaux de séance chargés de lire les maires d'arrondissement ainsi que les conseillers régionaux. Une démarche qui se tient au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des élections complémentaires et qui a permis au haut commissaire de la province du Kadiogo d'installer au nom du gouverneur du centre 7 bureaux de séance. 7 bureaux de séance dans 7 arrondissements de Ouagadougou qui ont en principe 24 heures pour élire chacun un maire d'arrondissement. Donc les résultats seront publiés par voie d'affichage dans les sièges des mairies ou en tout cas dans les lieux où on pourra vraiment les lire. Donc ce serait vraiment dans les 24 heures. Et je sais qu'aujourd'hui, bon, on peut déjà avoir quelques résultats. Si dans certains arrondissements, les élections se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, dans d'autres par contre, la tension était visible. C'est le cas ici, dans l'arrondissement 5. Les vives discussions entre conseillers municipaux seraient parties du fait qu'un conseiller de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, aurait changé de bord politique. Le CDP remporte les élections malgré ses 9 conseillers contre 10 pour l'UPC. Nous avons contacté notre avocat, il va venir constater. Mais pour l'instant, nous avons donné des consignes. Et ces consignes-là, nous restons tout simplement un parti démocratique. Nous allons travailler en suivant tout simplement la loi. Et un élément très très important, vous voyez qu'en pareille situation, les militants ils peuvent être très excités. Nous avons tout simplement donné un appel demandant à tous nos militants de rester tout simplement sereins, calmes
pour que nous puissions faire prévaloir tout simplement la loi. Que c'est une situation qui est dommage, parce que c'est une situation que notre parti même, dont notre parti est victime. Nous avons plusieurs régions où nous sommes majoritaires, mais après les votes, c'est l'opposition qui prend la mairie. On peut prendre le cas de Dori, on peut prendre le cas bien d'autres cas, mais c'est le jeu démocratique. Mais nous pensons, nous sommes d'avis que cette loi, il faut la changer. Nous sommes d'avis que cette loi, il faut la changer. Mais sachons que c'est le parti majoritaire qui est le plus victime de cette loi. Aux environs de 17h ce mercredi 6 mars, les résultats des votes étaient connus dans certains arrondissements. C'est Edgar Antoine Compaoré du CDP qui est élu maire de l'arrondissement 1. Amidou Sempore du CDP, quant à lui, est installé dans l'arrondissement 2 pour les 5 ans à venir. Pascal Ouedraogo et Anatole Bonkungu, tous du CDP, sont respectivement les maires des arrondissements 3 et 4 de la commune de Ouagadougou. C'était donc un reportage de Yacouba Goro avec la voix de Sylvestre Da. Vous l'avez vu tout à l'heure, malgré sa victoire, l'UPC ne va pas gérer la mairie de l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. La raison serait due à la défection d'un conseiller UPC qui a voté pour le CDP le jour de l'élection du conseil municipal de cet arrondissement. L'Union pour le progrès et le changement a animé une conférence de presse pour donner de plus amples informations. Nicolas Zigani. L'élection des membres du bureau du conseil municipal de l'arrondissement 5 de Ouagadougou a été entachée de nombreuses irrégularités selon les responsables de l'Union pour le progrès et le changement. Tout est parti de Assibo Ouedraogo, élu UPC, qui s'est rallié au Congrès pour la démocratie et le progrès lors des votes, permettant ainsi au CDP de remporter la mairie de l'arrondissement 5. Un comportement qualifié d'achat de conscience. Vous comprenez qu'il existe des corrompus parce qu'il y a des corrupteurs. Il existe aussi des corrupteurs parce que des personnes acceptent d'être corrompues. Nous demandons encore à nos militants de ne pas de laisser ce militant rebelle en paix. Ne le touchez pas. Ne l'agressez pas. Au contraire, vous pouvez même le sauvegarder de certaines choses. Les responsables de l'UPC auraient manqué de vigilance dans l'établissement des listes du parti. Et la loi ne leur permettait pas de soustraire des indélicats de leur liste car le processus électoral était déjà en marche. C'est un élément qui a parachuté dans notre rang. Il va falloir que nous prenions des mesures fortes pour que les prochaines fois on puisse regarder et les personnalités de nos candidats et le degré d'engagement de nos militants. On ne peut pas être militant d'un parti et quitter paisiblement ce parti pour aller derrière un autre parti parce qu'on n'a pas reçu quelque chose. Au regard de ce qui s'est passé à l'arrondissement 5, les responsables de l'UPC ont réaffirmé leur attachement à l'état de droit et dorénavant, ils prendront toutes les mesures pour détecter et extirper les brebis galeuses de leur rang. Le chef du gouvernement burkinabé était à Dori ce matin. Luc Adolphe Thiaw est allé visiter les sites qui vont abriter les activités du 53e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le Premier ministre a également eu des rencontres avec les différents acteurs concernés pour discuter de l'organisation de cette fête nationale. Reportage Frédéric-Étienne Bassenga. Sortie est de Dori, route de Sietenga. Carte à main, Paul Towé, directeur général de l'urbanisme, montre à Luc Adolphe Thiaw comment sera disposée la cité des forces vives pour le 11 décembre prochain. Sur cet espace seront construits 260 logements d'un certain standing. Juste à côté, à environ 200 mètres de la cité des forces vives, à la borne 5 km, se dressera dans quelques mois le pied-à-terre du président du Faso. Pour ces sites, les études ont été déjà faites et tous les indicateurs sont au vert. À cette étape de la visite, le cap a été mis sur l'autre côté de la ville, à la sortie ouest, où trois infrastructures sont prévues pour être réalisées. La voie du défilé, l'aire de la cérémonie et la salle de spectacle. Justement, pour le site de la salle de spectacle, le Premier ministre n'est pas satisfait. Non, honnêtement, il se faisait dans le lit du barrage. Et puis même pour l'avenir, hein, bon, on pourrait aménager pour faire des plages. Oui. Nous sommes en train d'aménager. Non, il faut abandonner ça. Non, ce site-là n'est pas. Non. Je vous dis, rien ne vous dit que dans 10 ans, vous ne serez pas dans l'eau ici. On sent ça.
Quant à la voie du défilé, longue de 3,9 km sur l'axe Dori-Gorgagui, elle sera bitumée et le Premier ministre propose de bitumer également les voies de contournement. Hormis ces voies, ça fera au total 14 km de voies qui seront bitumées à travers la ville de Dori. La tribune officielle, elle, sera aménagée sur une superficie de 24 000 m². Après cette visite des sites, place a été faite à une rencontre d'échange. À cette rencontre, les acteurs se sont accordés sur un certain nombre de points. En plus du fait que la sécurité devrait être renforcée, il faudra se doter d'un chronogramme rigoureux, faciliter les procédures et assurer un suivi permanent pour ne pas tomber dans les erreurs constatées dans les organisations passées. Nous sommes venus d'abord visiter les sites des différentes infrastructures qui sont prévues. Et ensuite, nous avons donné des orientations pour que tout le dispositif accompagnant donc, ces préparatifs soit mis en place. D'abord, ce que je peux dire, l'avantage ici à Dori, c'est que les espaces qui ont été dégagés, aussi bien pour la cité des forces vives que pour d'autres infrastructures, sont des espaces vides. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, comme on l'a connu à Koudougou, des problèmes de déplacement de la population. Donc de ce point de vue, je crois que là, vraiment, c'est un avantage qu'on a. Ensuite, nous avons donc identifié également aussi les voies de bitumage. Également sur ce plan, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de déplacement de la population. Le démarrage des travaux est prévu dans la dernière semaine d'avril et selon le maire de Dori, pas de crainte, tout est en bonne voie. Nous, d'ores et déjà, concernant la cité des forces vives, on a parlé d'une cinquantaine de gens qui ont déjà manifesté l'intérêt de venir et de construire. Donc on attendait que la feuille, plus ou moins, de cahier de charge soit prêt et que ce cahier de charge-là, nous l'avons maintenant. Nous allons le mettre à la disposition de ceux qui veulent investir et on va leur dire de venir et qu'à tout moment, nous allons tout faire pour faciliter l'acquisition des terrains pour qu'ils puissent commencer à faire le travail. Les infrastructures à réaliser pour les festivités du 11 décembre prochain sont prévues pour être livrées le 15 novembre 2013. Et pour y arriver, il faudra que les populations de la région soient impliquées. À cet effet, le chef du gouvernement compte saisir l'occasion du lancement des travaux en fin avril pour rencontrer les forces vives de la région afin qu'elles se mobilisent pour que la fête soit belle le 11 décembre à venir à Dori. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était dans les locaux de la télévision nationale ce matin. Depuis quelques jours, du matériel numérique est en cours d'installation. Alain-Edouard Traoré est venu visiter ces nouvelles installations techniques. Le point avec Nyarki Teda. De nouvelles caméras par-ci, des nouvelles consoles et accessoires, ainsi que des nouvelles tables de montage par-là, l'on s'affaire à donner une autre configuration à la partie technique de la Nationale de l'Image et du Son. C'est ce qui a été donné à voir au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement qui était dans les locaux de la télévision du Burkina. Du studio de production à la diffusion, en passant par le plateau du journal télévisé et les salles de montage, la partie technique de la télévision du Burkina fera bientôt peau neuve et sera au rendez-vous de la nouvelle technologie selon les techniciens commis à la tâche. Jusqu'à hier, encore des équipements analogiques dans ce studio. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avons installé de nouvelles caméras numériques, mais en haute définition. Il y a une console numérique qui est en cours d'installation aussi, un mélangeur numérique et un enregistreur numérique au fond là-bas. Alors, nous le faisons en partenariat avec notre partenaire donc, de StudioTech, qui nous appuie non seulement sur les installations, mais aussi sur la façon dont il faut exploiter ces équipements. Une fois les installations achevées, la télévision nationale devrait offrir en principe des images autres que celles d'aujourd'hui. Nous avons d'énormes défis à relever. C'est l'année du cinquantenaire de la télévision du Burkina et il est important que les citoyens, le gouvernement, les téléspectateurs sachent que les acteurs même de la télévision ont pris conscience du rôle de la télévision dans notre pays, mais aussi des exigences et des téléspectateurs dans le contexte et des médias d'aujourd'hui où tout est basé sur la communication. Les techniciens se donnent une semaine pour tout parfaire et tendre vers le numérique.
L'université de Ouagadougou retrouvera une année académique normale à compter d'octobre 2013. C'est la principale information donnée par Moussa Ouattara, le ministre en charge des enseignements supérieurs, au cours du point de presse de ce jeudi. Reportage Nyarkiteda. L'année 2013 sera celle des grandes réalisations au département des enseignements secondaires et supérieurs en s'appuyant sur 2012. Voici d'entrée la déclaration liminaire du professeur Moussa Ouattara avec comme information qui aura captivé plus d'un le rétablissement de la normalité de l'année académique à l'université de Ouagadougou. Nous allons rétablir la normalité de l'année universitaire à l'université de Ouagadougou. Cela consistera dans un premier temps à faire en sorte que l'on ait que la seule année académique 2012-2013 sur le campus de Zorna. Pour ce faire, il sera nécessaire de procéder à quelques blanchiments techniques de tout ou partie de l'année académique 2011-2012, sans affecter les acquis pédagogiques des étudiants concernés par les retards. À cet effet, la présidence de l'Université de Ouagadougou a été instruite pour animer et mener les concertations avec les acteurs et partenaires. En outre, il est prévu dans les tout prochains jours la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur, a dit le professeur Ouattara. La réforme du BPC, du baccalauréat, annoncée en novembre dernier, a suscité des révoltes au sein des établissements, occasionnant le retrait de la mesure. En son temps, j'ai estimé que, quel que soit la pertinence de ces innovations, il était important d'y associer une campagne d'information et de sensibilisation. C'est pourquoi, prenant mes responsabilités, j'ai alors décidé de faire suspendre l'application de ces mesures et de faire organiser des concertations sur ces questions. En attendant une issue heureuse de ces consultations, le professeur Moussa Ouattara annonce la visite du Premier ministre à l'Université de Ouagadougou pour le 18 mars prochain, également la réalisation d'infrastructures universitaires et secondaires, l'octroi de bourses, le recrutement de 1000 enseignants du secondaire et la mise en place progressive de directions provinciales des enseignements secondaires et supérieurs dans les 45 provinces du Burkina. La ministre de la Promotion de la Femme et du Genre a quant à elle parlé de la célébration de la Journée internationale de la femme, dont la cérémonie officielle au Burkina se déroulera à Manga dans le centre-sud. Nestorine Sangaré a également abordé avec les journalistes le plan d'action 2013 de son département ministériel. Le point avec Nyarkiteda. Comme il fallait s'y attendre, la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre a d'entrée campé sa déclaration liminaire sur la célébration de la Journée internationale de la femme qui a lieu demain 8 mars à Manga sur le plan national. Après avoir rappelé l'historique de cette date, Nestorine Sangaré a donné le contexte dans lequel le 8 mars est célébré cette année au Burkina Faso. Le Burkina a choisi d'aborder le thème de manière spécifique en se focalisant sur la question de la violence économique, en utilisant comme sujet de réflexion la problématique de l'entrepreneuriat féminin. Cette question est d'une très grande importance et une préoccupation majeure pour les femmes burkinabées qui ne cessent lors des rencontres que nous tenons de la mentionner. À travers ce thème, le politique burkinabé veut promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Un choix qui trouve ses fondements dans le plan d'action 2013 du ministère qui tient à atteindre d'ici à 2015 un record impressionnant un nombre de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers plusieurs actions. La formation professionnelle, la formation en entrepreneuriat, l'appui pour l'accès au financement, le transfert de technologies, l'accompagnement pour la création d'entreprises. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre compte poursuivre l'opération Une femme, un acte de naissance et la mise en œuvre de la restructuration des services. Pendant ce temps, à Manga, on met les petits plats dans les grands pour que la fête du 8 mars soit un succès à tous les niveaux. Entre journée de salubrité et rencontre avec les forces vives, tout est mis en œuvre pour des festivités dignes de ce nom. Eleonore Herbanga pour le reportage.
Du haut de la tribune, les techniciens commis à la tâche font les dernières retouches pour parfaire les installations. Juste en face, plus de 5000 femmes attendent pour la dernière répétition du défilé militaire et civil le 8 mars 2013 à Manga. Voici à quoi ressemble la cité de l'Épervier la veille de la commémoration internationale de la journée de la femme. Entre installation et concertation, le comité d'organisation se dit prêt pour la journée. Grâce au soutien des uns et des autres, les ressortissants ont bien voulu nous accompagner, sans compter, je ne parlerai pas du ministère de la Promotion de la Femme bien sûr, ont bien voulu nous accompagner et nous pensons que demain, tous ceux qui viendront à Manga ne regretteront pas d'être venus, non seulement pour soutenir une femme, une mère, une sœur, mais aussi de prendre part à cette belle fête que nous sommes en train d'organiser. De l'avis du maire de la commune urbaine de Manga, tout a été mis en œuvre pour offrir un accueil chaleureux aux invités. Depuis déjà quelques jours, nous avons entrepris de rencontrer toutes les catégories socio-professionnelles de la ville, les forces vives de la commune de Manga, pour faire passer l'information, pour les sensibiliser. Et nous avons aussi mené des activités d'hygiène et de salubrité publique pour que la ville soit belle pour accueillir toutes les personnalités et tout ce monde qui vont venir à Manga dans le cadre de cette fête. Une exposition vente a débuté depuis mardi à l'espace de la mairie. Elle se poursuivra jusqu'au samedi 9 mars. Et les réflexions pour l'épanouissement de la femme burkinabé ont débuté depuis ce matin dans la cité de l'Épervier. Un panel sur la mise en œuvre des recommandations du 8 mars 2012 et une conférence sur le thème de cette année était au programme. Reportage Éléonore Yerbanga. Une fois de plus, le ministère de la Promotion de la Femme respecte sa traditionnelle rencontre le 7 mars de chaque année. Une rencontre qui, pour la commémoration de la Journée internationale de la femme, entend faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues du 8 mars 2012 et échanger sur le thème de cette journée qui sera célébrée à Manga dans la région du Centre-Sud. On va parler de l'entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes. Et c'est pour cela que le ministère a organisé ce panel qui regroupe toutes les femmes venues des différentes régions, également des autorités au niveau national qui participent et les partenaires financiers qui participent à la promotion de la femme. Nous allons donc, durant toute la journée, échanger autour d'au moins trois thèmes thématiques pour permettre aux femmes de mieux comprendre le thème et de faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière. Trois communications se rapportant au thème « Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes » interviendront au cours de la journée. La commémoration de la Journée internationale de la femme ainsi entamée, le comité régional d'organisation a remis officiellement le panier à la région des Cascades qui devra abriter le 8 mars 2014. Des femmes battantes, il en existe, rompues dans la transformation du manioc en attiéké à Gawa. Biba Sankara fait partie de celles qui sont parties de rien pour se faire une place au soleil. Son portrait avec Christophe Da. Autrefois revendeuse de haricots, de noix de néré et autres produits locaux, il y a 19 ans, Biba Sankara a décidé d'explorer une nouvelle piste, la transformation du manioc en attiéké. Avec quelques tubercules au départ, aujourd'hui, elle est à plus d'une tonne de manioc transformée quotidiennement. J'ai commencé avec 200 francs de manioc et personne ne m'a aidé. Des difficultés existent souvent, mais le dévouement et la combativité permettent à Biba d'écouler sans encombre dans les quatre coins du sud-ouest le produit fini de son travail auquel elle se consacre à 50 ans, 7 jours sur 7. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour satisfaire la clientèle. Il m'arrive d'aller en Côte d'Ivoire pour chercher la matière première en cas de rupture ici. Grâce aux bénéfices engrangés, cette femme battante paye ses 17 employés, dont 14 femmes, et contribue à assurer les charges familiales. Je ne manque de rien, j'arrive à m'occuper bien de mes enfants et à épauler mon mari. Les efforts de Biba ont été reconnus à plusieurs occasions, notamment aux journées promotionnelles des tubercules aux racines du Sud-Ouest. Aujourd'hui, ce que cette femme déplore, c'est que la jeunesse ne se bouscule pas à son atelier pour apprendre ce travail qui nourrit bien son homme.
Tout autre chose, à présent, les agents de la SNCITEC de Bobo-Dioulasso ont levé leur mot d'ordre de grève suite à des négociations initiées par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. La crise n'est pourtant pas résolue. Syndicats et patronats poursuivent les pourparlers. Karim Cissé. Cette rencontre entre la direction générale et les travailleurs de la SNCITEC, initiée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, fait suite au débrayage observé par les agents de cette société. Une rencontre qui vise à instaurer un climat de dialogue entre les protagonistes. Ce matin, nous avons été saisis d'un conflit opposant, en tout cas, les employés à la direction. Qui s'est traduit par une grève avec la séquestration du directeur. Donc, avec l'intervention des autorités, les deux parties, en tout cas, se sont prêtées au dialogue. Et nous avons engagé la discussion qui s'est poursuivie ce soir. Et le problème majeur que nous avons trouvé et qui se pose, c'est un problème de communication. Environ 2 heures d'horloge, les deux parties ont échangé à bâtons rompus en vue d'accorder les violons sur la plateforme revendicative. Même si pour le moment une solution définitive n'a pas été trouvée au problème, les protagonistes ont quand même apprécié l'initiative du gouverneur. Une initiative qui prône la poursuite du dialogue dans le respect de l'intérêt général. C'est un cadre qui était nécessaire et qui a permis de clarifier des points d'inquiétude et de doute qui, pour la majeure partie d'entre eux, ça vous l'avez bien entendu, étaient infondés. La direction générale, quand elle s'engage, elle respecte ses engagements. Elle l'a démontré en 2012, elle le démontrera encore en 2013. Nous remercions le gouverneur par l'esprit de médiation. C'est déjà une très bonne chose. Et nous, on peut dire que nous sommes satisfaits du cadre de concertation qu'ils nous ont proposé. Nous allons nous contenter du Sénat. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes satisfaits par rapport aux revendications que nous avons déposées. Parce que ça reste toujours en suspense. Tant que le cadre n'est pas encore mis en place. Pour joindre l'acte à la parole, il est prévu dès la semaine prochaine la mise en place d'un comité de modération. Un comité qui sera chargé de conduire à bon port les pourparlers. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.